Yo tout le monde, c'est Gwenal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode, c'est parti! Et donc on se retrouve sur la map The Golden Day of Farming Simulator en ce samedi 2 décembre. Alors évidemment, ça compte si vous regardez la vidéo quand elle sort, le jour où elle sort. Le but d'un calendrier de l'avance, c'est quand même pas de regarder ça 3 mois après, parce que ça n'a plus aucun intérêt, bref. Aujourd'hui, 2 décembre, deuxième case du calendrier de l'Avent, je vous présente tout simplement la map Golden Day, The Golden Day of Farming. Alors, je ne connais pas du tout la carte. Ça va être une découverte mutuelle. Vous et moi allons découvrir la carte plutôt ensemble. Je trouve que c'est quand même assez cool. Comme ça, vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous pensez de la carte. Et puis moi, je vais avoir la réaction en découvrant. J'ai vu les photos sur les sites de téléchargement. Elle avait l'air honnêtement énorme. Et espérons ne pas être déçus. On verra ça tout de suite. Attention, j'ai peur avec vous. Démarrez. Attention, où spawnons nous? Ok, on a l'air pas mal. Ok, ça a l'air pas mal, écoutez. Je trouve que la carte, enfin, honnêtement, je trouve ça très beau. Rien qu'en spawnant, écoutez, je suis déjà pas déçu du tout. La carte avait l'air pas mal, en tout cas, avait l'air pas mal sur le site de téléchargement où je l'ai téléchargé. Ok, bon, ça a l'air beaucoup moins joli. Dommage que l'eau soit un petit peu dégueulasse, honnêtement. Bon, après, dommage. Ça aurait pu être un peu plus joli que ça. Bref. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, avant toute chose, regardons ce PDA. Alors, on peut voir que c'est une île. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que les maps avec une île, c'est plutôt rare. D'habitude, c'est plutôt de la campagne ou quoi. Les champs sont carrés. Moi, ça me gêne pas. Les champs carrés me gênent pas trop du moment où c'est bien inclus dans la carte, globalement. Il y a plusieurs plans de vente. On va aller voir... plusieurs points de vente. On va faire peut-être un petit tour de la ferme. Alors dans cette ferme là il y a quoi? Dans cette ferme là il y a cochon, mouton, poule. Alors les poules on peut voir ça juste en face. Apparemment il y a un silo à grains. Voilà ouais, après qu'apparemment il y a un silo à grains qui est pas si mauvais que ça. Avec le petit truc pour... Honnêtement ça a l'air vraiment pas mal. Alors en véhicule de base on a quoi? En véhicule de base on a alors un tracteur Kazi-H, un 1455. Bon le classique on le connaît. Une petite mouse batte et c'est tout. Ah on a juste ces deux véhicules là. Ok d'accord, alors qu'est-ce qu'on a en outil par contre? On va aller voir ça, barre de coupe, ouais, petite remorque de base, pourquoi pas. Petit culti Ken. Non, Ken c'est le mari de Barbie ça, rien à voir. Ken, ainsi que la charrue Ken, tout petit semoir, je crois que c'est le plus petit du jeu, si je dis pas de bêtises. Voilà, honnêtement pas du tout, et petit Kneverland. Et bah honnêtement, ça a l'air vraiment pas mal, du tout petit matos. Bah en même temps la carte est pas très grande, donc c'est un petit peu logique. Oh là, ce bâtiment m'agresse, bon, c'était une bonne idée honnêtement, de mettre des cailloux. Bon, là il y en a peut-être trop, surtout à l'intérieur. Non, honnêtement, le bâtiment est dégueulasse. Bah, l'idée de mettre des cailloux était pas mal en fait. Mais, enfin, vous aviez que l'idée en fait qui était pas mal hein. Regardez, là les cailloux sont complètement déformés. Bon, peut-être à revoir les textures de la 3D. Là-dessus, voilà. Après, celui-là il est... Il me choque un petit peu moins en tout cas. Bon bah il est pas si beau. Honnêtement un... C'est vrai que... Bref. Sur FS13 en fait les maisons étaient sur le même principe mais étaient beaucoup mieux faites. Voilà je dirais juste ça. Le petit enclos à poules est très bien honnêtement. Mais la ferme n'était pas très grande. La ferme n'est pas grande du tout. Et elle est... ce bâtiment là est très beau. Bah écoutez la ferme honnêtement je la trouve plutôt bien. Alors, en face ça doit être les moutons. Là je dois être aux moutons. Ouais je suis aux moutons. Bah les moutons, petit enclos. Petit enclos à moutons, excusez-moi, pas mal du tout, petit étang. Bon, le bâtiment qui m'agresse visuellement, pourquoi pas. Ok, mais c'est pas mal du tout, honnêtement. Là-dessus, ils se sont pas mal gavés. On va aller voir les cochons tout de suite. Alors, bon, on va repasser dans l'eau toute dégueulasse. Ok, d'accord, alors on va aller voir les cochons, apparemment, c'est juste en face de moi, à ce que je vois sur le PDR en tout cas. On va aller voir les petits cochons. Voir ce que ça donne. La carte a l'air très belle. À part, bon, peut-être quelques 3D qui... Pas forcément... C'est pas forcément ça. Mais les cochons n'ont pas l'air si dégueulasse que ça, en fait. Bon, ouais, de la boue, peut-être... Ouais, je sais pas. Ah, bon, ça c'est dégueulasse. Mais bon, voilà. La map a quand même pas mal d'idées. Un petit peu des détails qui choquent un petit peu, notamment la texture. On l'a vu sur le truc... Oula, petit lag. On l'a vu sur le truc de... De lisier, bon, ça manque un petit peu de concrétisation. Dommage, on va aller voir les vaches. Ok, d'accord. Ah, bah, ok. Bon,
Sa presse, ça utilise apparemment pas mal de 3D de base. Pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas du moment où c'est bien inclus. Bon. Ouais, peut-être un petit peu mal inclus là. En fait, ce qui manque, c'est. Ça veut faire ça sur une petite carte, mais ça met en fait une trop grande carte, apparemment, à ce que je vois. Je vais voir quelques points de vente. Bon, point de vente pour la paille. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ah, il a mis le système des pipites d'or. Ah, c'est pas con du tout ça. C'est vrai qu'on voit ça rarement, donc non, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. On va aller voir. Alors, on va aller voir quoi? Le magasin. On va aller voir le magasin. Magasin. Alors, c'est ici le magasin? Bon, écoutez, pas mal du tout. Un peu mal concrétisé. Voilà, on peut voir ça que ça manque un petit peu de détails. Bon, voilà, des petites textures, voilà, ça, qui est un petit peu mal fait. Y a pas, on en a pas autour. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que ça manque. En fait, cette map-là me manque un tout petit peu de détails, honnêtement. Elle est bien, hein, elle est très bien. Très belle, il y a de très bonnes idées. On va pas dire qu'elle est très belle, on va dire qu'il y a de très bonnes idées. Pareil, là c'est beaucoup trop grand. Bon, après le bâtiment, c'est pas non plus trop le style de la carte en fait. Mais, on va aller voir un autre point de vente. Ouais, point de vente pour le bois. Bon, mal inclus, je trouve. Ouais, mal inclus. Là, ça manque. Là, il y aurait des petits foliages en plus, de la petite herbe ou même. Ouais, une petite texture, ça aurait été mieux. Voilà. Ouais, c'est quoi cette eau? Eh, honnêtement, j'ai. Eh. En fait, je sais. En fait, c'est qu'il a, il a dû agrandir l'océan beaucoup trop, en fait. Parce que, honnêtement, là, quand je vois ça, moi j'ai peur de sauter dans. J'ai l'impression que si je vais dans l'eau, je passe dans une. je rentre dans une faille spatio-temporelle et je vais me retrouver dans un autre monde. Ça fait assez bizarre. Bref, non, mais honnêtement, il y a pas mal d'idées. On va aller dans un autre point de vente. Bon, dommage. En fait, il y a pas mal d'idées sur la carte. La carte a de très bonnes idées, mais mal inclus. Les 3D choisis sont dans l'ensemble bien, à part quelques 3D dégueulasses qu'on a pu voir, mais. Bah, le champ est pas très choquant. C'est. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est que. En fait, la map a de très bonnes idées, mais ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là, juste de très bonnes idées, c'est tout. Ok, bah écoutez, mais ça m'a l'air vraiment beau, en fait, hein. Globalement. Il y a des petits détails, il y a des petits efforts de fait, donc. Non, honnêtement, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, il y a des petites idées, il y a des petites idées. Bon, bah, un pont-levis? Mais j'en cherchais. J'en cherchais un. Attends, écoutez, ça tombe bien. Et bah écoutez, je vais récupérer ça, cette carte. Je cherchais un pont-levis, me demandez pas pourquoi. Bon, ceux qui me suivent savent pourquoi, mais. Non, honnêtement, 3D avec de très bonnes idées. Après, honnêtement, je jouerai peut-être pas dessus. Ça manque un petit peu d'idées, honnêtement. Enfin. Les idées sont là, mais ça manque de concrétisation. Ça se dit ça? Ouais, ça se dit. De petits détails comme ça. La map a des idées, mais ça s'arrête là, en fait. La map a des bonnes idées, ça s'arrête là. J'ai pas regardé s'il y avait des erreurs. Bon, je crois pas. Globalement, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de truc de ouf. La map a des idées. Honnêtement, s'il y a une V2 qui se fait avec tous les bugs corrigés, je pense que ça pourrait être ultra intéressant. Avec peut-être d'un petit déco rajouté, ça pourrait être méga intéressant. Honnêtement, je pense que... Ouais, je pense que ça pourrait être méga intéressant. Le lien de la carte se retrouve bien évidemment en description de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi honnêtement, mon avis, c'est que la carte est bien. De très bonnes idées. Malheureusement, les détails ne sont pas là. Il manque peut-être certaines idées sur quelques endroits. Pour moi, c'est mon avis. Dites-moi si vous avez le même avis ou, je sais pas, est-ce que vous pensez que la carte est très bien ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en plus. Je sais pas, différents foliages, des usines, enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire. Ça pourrait être intéressant de voir les avis de tous. En attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour la case 3, la fenêtre 3 de ce calendrier de l'Avent mode, présentation de mode. En attendant, merci à tous. Et puis moi je vous dis à plus tout le monde.